Bon ben rebonjour à tous. Alors je viens de m'apercevoir qu'en fait Fraps recoupait mes vidéos en plusieurs parties de 5 minutes. Donc ce qui fait que enfin environ 5 minutes, hein, ça peut aller de 4 à 5 minutes. Donc je me dis que finalement ben, je vais continuer simplement ma vidéo en un seul bloc que je recouperai à chaque fois les 3 parties correspondant à 5 minutes. Donc ça 3 fois 5 égale 15, donc c'est dans ma limite de YouTube. Donc je pense que je vais faire ça comme ça. Puis, ben, je uploaderai donc épisode par épisode toutes les semaines. Voilà, je pense que ouais, une vidéo par semaine sera sympa. Donc ça, je pense que je sortirai ça le mardi ou plutôt le mercredi. Ça correspondra aussi à la série Bleach, si vous croyez. Si, voilà, c'est en référence à ça. Ah oui, je voulais dire aussi, par exemple, donc ça c'est sur le serveur aussi, hein, on est beaucoup de fans de Bleach, donc c'est pour ça, on fait pas mal de références à ça. Donc voilà. Donc je pense que ça va être ça. Ça va être tous les mercredis, je vais sortir une vidéo Minecraft. Et en même temps, donc, j'attends toujours vos... Alors là, c'est concernant mes vidéos tutoriels d'ordinateur. Comment? Je me dis que vous... merde, je sais même plus ce que je voulais dire. Ouais, est-ce que, donc, si vous avez des tutos internet que vous voudriez voir... ordinateur que vous voulez voir, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message privé sur Google, j'ai pas de l'aéronef, enfin c'est pas trop tôt. Un message privé sur YouTube ou sur Google, enfin sur Google Mail, Gmail, voilà, cherchez le et vous voyez pas de souci, hein, je vous répondrai dans la semaine, je passe une fois par semaine dans cette boîte de messagerie. Vu qu'en plus elles sont liées ma boîte Gmail et YouTube, je serai mis au courant presque instantanément. Donc n'hésitez pas. Donc, que ce soit pour des sujets tutoriels d'ordinateur ou pourquoi pas une cartienne. Donc voilà, donc je suis actuellement à 5. Oh! Oh, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah! Quand je vous avais. Je vous l'ai dit, j'ai une chatte formidable avec le diamant. C'est hallucinant. Oh magnifique. Allez, je veux voir le filon. Je dégage le filon. Parce qu'il me faut obligatoirement du. Attends, oh mais c'est magnifique! J'ai tout là. Par contre, il va falloir que je sécurise pour récupérer le diamant. Bon. Oh, mais c'est magique. C'est beau. Je sais pas. J'ai 3 diamants, donc on va faire une pioche. Puis Ah oui, non, oui, c'est ça, c'est 3 diamants. 1, 2, 3. Donneur qui dira, oh, je sais bien compter. Excusez-moi, c'est pas que je le connais de l'aspect. Ok, bon, donc objectif. Combien j'ai de iron? Donc j'ai 8 iron parce que j'en ai 4 sur moi et j'en ai 4 là-haut, il me semble. C'est ça? Ah non? Bah non, non, j'en ai pas là-haut, c'était sur l'ancienne partie, j'avais 4 iron. Hop. On remonte. Je coupe pas les montées ou les descentes, je sais pas. Allez, on va dire que je suis pas les. Oh, il m'a fait peur. Ouais, tiens, toi tu vas remonter, toi, toi, toi. Plus jamais tu me refais une fosse comme ça, toi. Ouais, j'ai vu un truc blanc, je me suis dit, c'est un squelette. Allez, c'est où? Couché. C'est ça, je n'ai pas de taille à faire.
Attendez, ça, ça a pas fini de cuire depuis tout à l'heure. Et si, donc ça? Hop. Excusez-moi. Je peux acheter. Je l'ai rangé. Ah ouais, mamie, il faut que je fasse fondre quand même. Faire un second produit. Second four. Donc le patron, ben, je vous l'ai montré. Je vois pas pourquoi. Je vois même pas pourquoi je réfléchis. La souris a des ratés. Bon, je vais me poser pour le gars. Je n'ai pas de... Tiens, debout. Amuse-toi. Voilà, donc vous voyez, hein, les chiens se font attaquer. Bon, et vous voyez, donc sa queue a bien a bien descendu. Voilà. Hop. Apparemment, il a récupéré pas tout le monde, tout est dit, même pas. Voilà, donc il faut obligatoirement donner... Donner un coup à un adversaire pour voilà quoi, pour que le chien l'attaque. Donc c'est bête, j'ai perdu du temps en plus, mais bon, au moins je vous ai montré l'attaque du chien sur un ennemi. Et puis surtout, ouais, donc que le chien peut bien perdre de la vie en attaquant un adversaire, étant donné que quand vous l'avez peut-être déjà vu ce phénomène lorsque un squelette. Touche un autre mob, le mob va attaquer le squelette, et en touchant le squelette va se concentrer sur le mob en question plutôt que sur vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc la lave va me servir à plusieurs choses. J'ai toujours pas assez d'iron en fait. Il faut absolument de l'iron. C'est la ressource absolument. On va continuer à chercher. Je m'attendais pas à tomber sur du diamant maintenant, surtout que j'en ai 3, ça y est, donc du coup on va faire ma pioche. L'épée, souvent je la fais en iron, je fais pas en diamant. C'est peut-être pas mal, mais... Non, je trouve que quand on meurt... Ça fait plus de mal de mourir avec une épée en diamant qu'une épée en iron quoi. Donc je vous dis, hein, je ne chronomètre absolument plus. Ah bah tiens, un bon pion. J'ai au moins 4. Ah bah voilà. On va faire fond. Voilà, parce que donc je vous explique. Ah oui, je vous ai pas expliqué la théorie apparemment du four. Parce qu'apparemment j'ai revisionné mes vidéos, puis apparemment j'en parle pas. Donc c'est simple, un bloc de... Enfin, un charbon de bois ou un charbon simple, hein, vous fait cuire 8 blocs. 8 blocs, peu importe le bloc que c'est, hein, ça en fait cuire 8. Et donc, et ben, tout simplement, c'est pour ça que je mets dans le four toujours des multiples de 8 en ressources. C'est aussi simple que ça. C'est pour éviter les pertes. La redstone aussi pourrait me servir à faire, bah, pourquoi pas, des pistons. Enfin, un système de bombes de vie.
Mais avec un piston, je peux également faire ce que j'ai fait dans la partie serveur, une génératrice d'obsidienne. Voilà, bon, allez, hop. Tiens, je vais faire autre chose. Vraiment à faire sur l'iron parce que le je rappelle que le donc la redstone ne se mine qu'à la fin, enfin que qu'à l'iron. Alors, autre chose, je voulais essayer un truc. Je sais que c'est du shit,